que des cadavres. Ça sert à rien, tu devrais le savoir. Le garde de la ronde précédente m'a dit que le Lord Régent lui-même avait été saigné comme un pourceau par un assassin. Qu'est-ce qui se trame là-haut? Cette façon de dire les choses. Et tu ferais mieux de la boucler. Il paraît qu'on trouve encore des pestiférés dans les parages. Ils sortent la tête de temps à autre. Mais j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, vu que j'ai du mal à gérer les pauvres bougres qui remontent du canal. La lumière sera rétablie. D'autres conteneurs d'huile de baleine sont en route. Pas trop tôt. J'ai vraiment pas envie de m'amuser à les retrouver dans leur complet. Ouais, je retourne à la Civic. Attention, du moins ce qu'il en reste. Amuse-toi bien. Merci bien. C'est vrai que les Tall Boys ont tellement de conversations. Thank you.
J'aimerais bien un dernier coup de whisky. C'est toi, le type masqué qui élimine tous les nobles un par un. C'est un cul-de-sac, à moins d'avoir la clé des égouts. Et là où elle est maintenant, j'irai pas la chercher, même pour tout l'or de Dunwall Tower. Je retourne plus là-dessous. Mais toi, t'as peut-être des chances. Quelque chose nous a attaqués à la distillerie. Il commandait au rat. Hein, c'est dingue, je sais. Ensuite, il s'est enfui par les égouts. Alors on est descendu pour lui faire la peau. On suivait Slack Joe. Ça a mal tourné. J'ai failli y rester. Slack Joe, je sais pas pour lui, mais il avait la clé des égouts. D'abord la brume, puis des rats, partout des rats. Slack Joe les a repoussés au plus profond des égouts. C'était un cauchemar. Quelque chose est apparu et nous a attaqués. Slack Joe y est encore. Est-ce qu'il l'aura? Ça, je sais pas.
temps de graver une jolie petite comptine dans tes os. Hé ! Abattez-moi cette tarée de sorcière ! Je vous rendrai riche ! Silence. Mamie a besoin de se concentrer. Me tue pas ! Arrête, Mamie Chiffon ! Arrête tout de suite ! On pourrait pas au moins en discuter. J'ai besoin de couteaux bien aiguisés pour pouvoir te découper les os, Slack Joe. Oh, mon grand, tu veux bien m'aider à désosser Slack Joe? Mamie a des cadeaux d'anniversaire pour toi. Je les gardais depuis longtemps, au cas où tu reviendrais. Le galant homme, il aide Mamie Chiffon à préparer son ragoût. On va se régaler ce soir, mon chéri. D'abord, il faut le tuer au couteau. Je ne voudrais pas qu'il ressorte de la marmite. Qu'est-ce que vous foutez? Écoutez-moi, Corvo, ne l'aidez pas! La laissez pas me tuer! Je vous donne tout ce que j'ai. Il faut les triper d'abord, chéri. Du whisky, la clé des égouts, si ça vous chante. Tout ce que vous voudrez. Ouvrons ces échelles, s'il te plaît. Voici la clé. Allez, ouvre ces échelles, mon trésor. Voilà, soulève-le et jette-le dans la marmite. Allez! Oh, merci, tu m'as bien aidé. Je vais le laisser mijoter encore un peu. Tu peux prendre ton cadeau et partir, très cher. Mamie a des choses à faire. Toujours à traîner dans des endroits improbables, Corvo. Tu sors en rampant des ruines inondées pour retourner au pub où tu as vu pour la dernière fois Emily. Mais où est-elle? Comment te sens-tu maintenant, trahi par tes propres alliés? Étrange, il nous reste toujours une part d'innocence à perdre. Et d'aude, tu viens d'éliminer le plus grand assassin de cette époque. L'as-tu fait par amour pour l'impératrice ou pour Emily? Ou était-ce ce désir primal de se hisser au-dessus des hommes? Le sais-tu seulement?
Thank you.